Sois glorifié, Seigneur Jésus. Sois exalté, Papa. À toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur. Oh, nous les dis à toi, merci ce matin avec un équerre reconnaissant, Papa. Oh, merci, Seigneur Jésus. Merci, Papa. Et voilà, peuple de Bethel, nous souhaitons la bienvenue dans la présence de Dieu. Ce matin, nous là, comme un frère et soeur réunis pour adorer un seul bon Dieu. Laisse ce matin nous lève, nous la main, nous dit, nous pour louer. Nous pour louer la main levée, nous pour louer jusqu'à ce que la gloire lui descende. Oh, laisse-nous dire lui ce matin. Nous pour louer la main levée. Nous pour louer jusqu'à ce que la gloire descende. Nous pour louer. La gloire des saints, nous voulons.
louer. Nous pour louer la mélévée. Nous pour louer jusqu'à ce la gloire des saints. 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 Pour nous la voix, nous les bâtir le tel. L'autel pour nous offrir à toi un sacrifice vivant. La voix sautille pour nous l'écrire. Comment parfait, comment un parfait qui monte jusqu'à toi. Pour nous la voix, nous les bâtir l'autel pour nous offrir à toi un sacrifice vivant. La voix sautille pour nous l'écrire. Fin qui monte et porte jusqu'à nous. Nous pour louer, nous pour louer la mélévée. Nous pour louer jusqu'à ce la gloire des saints. Nous pour louer la mélévée. Nous pour louer jusqu'à ce la gloire des saints. Pour nous la voix, nous les bâtir le Dieu. L'autel pour nous offrir à toi un sacrifice vivant. La voix sautille pour nous l'écrire. Comment un parfum qui monte et monte jusqu'à nous. Pour nous la voix, nous les bâtir. L'autel pour nous offrir à toi un sacrifice vivant. La voix sautille pour nous l'écrire. Nous pour louer la mélévée. Nous pour louer jusqu'à ce la gloire des saints. Nous pour louer la mélévée. Nous pour louer jusqu'à ce la gloire des saints. Nous pour louer la mélévée. Nous pour louer jusqu'à ce la gloire des saints. Oh, laisse-nous redéler. Pour nous la voix, nous les bâtir. L'autel pour nous offrir à toi un sacrifice vivant. La voix sautille pour nous l'écrire. Tout le monde est parfait qui monte jusqu'à nous. Pour nous la voix, nous les bâtir. L'autel pour nous offrir à toi un sacrifice vivant. La voix sautille pour nous l'écrire. Seigneur, nous venons là pour louer toi jusqu'à ce que la gloire lui descende, papa. C'est de la gloire qui nous vient ce matin, Seigneur Jésus. Oh, ta présence, il vaut mieux que mille ailleurs, Seigneur. Oh, nous là de ta présence pour louer toi, pour adorer toi, Seigneur. Nous là comme un
participants de ta présence, Seigneur Jésus. Nous là comme un vrai adorateur, Seigneur. Oh, ce matin, nous les abandonnons nous-mêmes dans tes bras, Papa. Oh oui, Seigneur Jésus, prends-nous comme nous étions, Seigneur. C'est toi le potier, Seigneur Jésus. Brise-nous, fasse-nous comme toi ton envie, Seigneur. Oh, Saint-Esprit, visite chaque la chambre de nous les cœurs ce matin, Papa. Oh, nous les abandonnons nous-mêmes dans tes bras, Seigneur. Oh, nous pas les focus nous dans nos problèmes, Seigneur. Nous les mettons nos problèmes, nous tracanons. Oh, de côté, Seigneur Jésus, nous les abandonnons de tous les bras ce matin, Papa. Oh, prends-nous pour nous aider, Seigneur Jésus. Oh oui, Papa, nous venons de là, Seigneur. Nous ressentis ta présence, Seigneur. Oh oui, Papa, oh, chère bébé, yandala, baba, baba, baba. Oh, chère bébé, 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 bébé. Oh, kala, baba, 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 baba. Oh, prends toute la place qui te revient, Saint-Esprit. Dirige cette réunion toi-même, Saint-Esprit. À cause de nous, Papa, mais nous vînons à cause de toi, Papa, Seigneur Jésus. Oh, nous vînons à votre tradition, votre routine, Seigneur. Mais nous vînons pour recevoir de toi ce matin, Seigneur. Inonde chacun d'entre nous qui là, Seigneur Jésus. Inonde toute la vie, votre présence, Papa. Oh, c'est toi l'alpha et l'oméga, Seigneur. Adonai est ton nom, Seigneur. El Shaddai est ton nom, Papa. Oh, nous les disons toi merci, Seigneur Jésus. Nous les abandonnons. Toi,
abandonne tout. Moi, abandonne tout. Non, vie comme toi, complice. Non, vie comme toi, complice. Moi, abandonne tout. Moi, abandonne tout. Come and do it.
connaître là ce matin, Seigneur. Oh, nous connaître pour tout chacun d'entre nous qui là, Seigneur. Oh, nous laissons toi la première place ce matin, Seigneur. Oh, prends toute la place qui te revient ce matin, Seigneur Jésus. Oh, nous sentis de présence, Seigneur. Nous sentis de l'onction parmi nous ce matin, Seigneur. Oh, Jésus, souplez-le-nous, Papa. Oh, souplez-le de peuple ce matin, Seigneur Jésus. Oh, qui te volonté les pères de nous la vie, Seigneur. Yeah.
pour ta parole. Merci Seigneur, ton serviteur. Oui, Seigneur, nous venons pour entendre de la voix. Nous venons pour bénir toi, Seigneur. Jésus, sois loué, sois béni, sois glorifié. Merci pour la parole de Dieu. Oh, parole de révélation, nous pour entendre. Tout l'honneur, toute la gloire, l'est pour toi, Seigneur. Merci, Jésus. Mon vie compte toi encore plus. Mon vie compte toi. Encore une fois, mon envie comme toi, oh, please. Mon envie comme toi, oh, please. Abandonne tout, abandonne tout. Nous acclamons-nous, Seigneur, nous acclamons-nous, Jésus. Alléluia.
sommes-nous, Jésus. Amen. Nous prenons nos places dans les assises. Et l'onction, il trappe tout musicien là, je te connais, vous sentez ça. Que nous pas capable d'arrêter. Dans l'esprit, l'adoration, les flots, à travers la musique, au nom de Jésus. Mais une même parole vous donne seul. J'invite le frère Sunil. Enclame Jésus. Pour l'homme de Dieu qui vous apporte la parole de Dieu ce matin, prends le micro. Bienvenue. Premier rayon, si bien rempli. Amen. Maintiens la place en bas. Deuxième rayon, presque pareil. Mais Dieu n'a encore pour faire. Dieu bénit toi. Amen. Amen, l'Église. Et il y a de la joie à retrouver nous encore dans la maison de Dieu, dans la maison du Bethel. Amen. Et nous acclamons le Seigneur pour l'homme de Dieu au milieu de nous, nos pasteurs de vignes. Amen. Est-ce qu'ils sont contents, l'homme de Dieu, pasteur de vignes, ils sont contents, lui? Quand est-ce qu'ils sont contents, lui? Je ne trouve pas ça, moi. Quand est-ce qu'ils sont contents, lui? Amen. 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 Et nous avons quelque chose aujourd'hui. Dieu me met ça dans mon cœur. Parce que je me dis, si je suis capable d'apporter la parole de Dieu, je me dis, oui. Mais Seigneur, donne-moi une parole pour ton peuple ce matin, Seigneur. Et Dieu me met quelque chose dans mon cœur. Et je te rappelle, une fois, un pasteur, tu viens là, pasteur Ramsamy, tu prêches quelque chose sur Jeune Sémané. Je te rappelle, Jeune Sémané trouve dans la Bible, Luc chapitre 22. Verset 39, c'est à la case, c'est à la reliali. Et là, il démontre nous que Jésus-Christ là, face à sa destinée. Jésus-Christ pleurait, Jésus-Christ priait. Jésus-Christ, si tant il peut prier, 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 ça la sueur là coulait. Pas juste la sueur, c'est du sang coulé. Je te rappelle, il t'explique ça, il détaille ça pour nous. Il montre nous ça, une séquence là. Que Jésus-Christ pour aller. Les pour monter sur sa montagne là, montagne des oliviers. Quand les pour aller, les pour passer, les pour faufiler sous la foule, les pour aller. Il explique nous tout ça là. Et là, dans le jardin, je ne sais pas, il y a une petite chose que tu peux traverser. Dans Jésus-Christ, sur la vie là, sur l'air, il y a la peur, tu peux faire face à la peur. Il y a un stress extraordinaire là, sur la vie. Jésus, tu peux. Si tu as un petit peu peur, tu peux pleurer. Parce qu'il te connaît. Qui peut attendre. Mais malgré dans ce cœur, il y a une souffrance. Mais dans ce cœur, il y a un choix à faire. Il dit comme ça, Seigneur, c'est ça, ta volonté, Seigneur, moi pour faire l'île, moi pour monter la croix. Mais Seigneur, donne-moi la force. Et là, je te connais qui est arrivé, un lance descend, venir fortifier l'île. Et ton lance a fortifié l'île, il gagne la force nécessaire pour être capable d'accomplir mission, rôle. Qu'il est venu faire de la terre. Mais dans celui qui tient à l'écho, tient à souffrance. Mais dans lequel acte tient à l'église, tient à l'amour. Et c'est l'amour là, frère et soeur. Et dans cet amour là, dans celui qui est là, tient à moi. Dans celui qui est là, tient à toi. Et moi, je viens aujourd'hui pour dire à toi que Dieu compte en toi. Capable, le monde, il abandonne toi. Il tourne sur le dos à toi, ta famille, il reste toi. Frères et sœurs, une raison de toi. Même capable de l'église, une raison de toi. Ton pasteur, une capable de toi. Mais ce matin, si tu peux moi live sur Facebook, que tu étais ce matin, me dis-toi, Jésus est une place pour toi dans ce lequel. Les pas abandonne-toi, les pas délaisse-toi, mais les compte en toi. Et ce matin, nous avons quelque chose de très important, nous venons de la Bible. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il dit comme ça, sans la foi, il n'est pas possible pour nous capables de plaire à nos bons dieux.
Amen. Sans la foi, toutes affaires y reposent l'eau, la foi. Amen. Sans la foi, tu n'as pas rien. Toutes choses existent par la foi. Si tu es là aujourd'hui, ce matin, c'est parce que tu as la foi. Tu ne fais confiance, bus. Tu ne fais confiance, tu le tout, tu rentres de le tout. Tu mets tout le temps à manche. Tu arrives, la porte de l'église, et tu viens là. Et tu peux faire confiance à bon qui te peut assiser là ce matin. Tu ne fais confiance à quatre, la patte qui peut tenir ce banc-là. C'est la patte à casser, tu connais, tu peux tomber. Mais tu ne fais tu mets la foi dans ce banc-là ce matin. Alors, nous tous, nous pouvons vivre par la foi. Nous, la ville, ils dépendent par la foi. Ce que tu étais aujourd'hui, c'est un résultat de la foi. Si tu es là, de position que tu étais, c'est un résultat de toute la foi. Toute chose que tu es là, de ton compte, la banque, de ton poste, de ta position que tu étais, c'est parce qu'il y a une mesure de toute la foi. Toute chose que tu as gagné, par mesure de toute la foi. La Bible dit, sans la foi, il n'est pas impossible pour te plaire à ton Créateur. Amen. Et Dieu y a plus loin. De Galates chapitre 5, verset 6. Ouvrez ça. Galates chapitre 5, verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Ici, il met par la charité. Nous capables à tout le salatier là. Nous capables à ban grand la foi, car bouge ban montagne. Mais si nous peinons l'amour ce matin, l'église, où la foi li peine. Ah, je reste tranquille. L'amour. On est venu aujourd'hui pour cause l'eau, l'amour. Frère, mon peine à ça, moi. Vous savez, quand je suis sorti là ce matin, est-ce qu'il te prend envie et n'a l'amour de tout le cœur? Frère, l'amour, mon con, mon fiancé, il y a l'amour qui brillait dans mon cœur fait boum, boum. Mon papa cause ça l'amour là ce matin. Ce matin, mon père cause l'amour de Dieu. Un amour qui n'est pas capable de démarquer. Un amour qui n'est pas capable d'expliquer. Un amour qui n'est pas capable de mesurer. Ça l'amour là, mon vin cause toi ce matin. L'amour de Dieu. L'amour de ton Créateur. L'amour de ton bon Dieu. Et ça, l'amour là, il commençait dans ordres et semaines. Il peut monter, il peut aller. Si Jésus t'y a arrêté là, il dit, il n'est pas pour monter la croix. Tout plan de l'humanité arrête la même dans ordres et semaines. Mais dans l'amour qu'il y en a dans ce cœur pour moi et pour toi, il décidait pour faire face à l'humanité. Il décidait pour monter le sal à croix là. Passer, aller. Mais sans l'amour, il n'est pas capable de faire ça. Tu connais ce que ça veut dire, jeune semaine? Hein? Nous tendons, nous causons, jardin, jeune semaine. Hein? Nous sentons, jardin, jeune semaine. Percé. Perce quoi? Olive. Je ne sais pas, means press olive. Prends ces olives-là, parce que Jésus vous passez pour passer la montagne olivier. Ça va une pièce d'olive-là, vous connaissez combien de bananes c'était? 800 à 900 bananes. Et le ça, olive à l'époque, c'était une commodité. Avec moi, nous n'en avons qu'un aujourd'hui. Nous n'en avons la pêche, nous n'en avons tout. À l'époque, je tiens à olive. C'est grâce à olive-là. Il démontrait que Jésus-Christ pour montrer le sel à croix là. Soleco pour craser. Quand Soleco l'a crasé, par exemple, Jolive l'a crasé, de l'huile coulée. Et quand Soleco l'a crasé, le sel à croix là, Soleco l'a recours la même lit. Les corps écrasés. Qui sont-ils là-dedans? C'est l'amour pour toi et pour moi, mon frère. Laisse l'amour là infiltrer dans toute la vie ce matin. Et c'est ça, remède, toban dépression ce matin. C'est ça, remède, antidote de toban stress ce matin, l'église.
antidote de tout ton problème, de tout qui te fait souffrir de matin. Si tu es dans l'amour de Dieu dans de la vie changée ce matin. De situation changée ce matin. Mais pas contre ta relation avec ta femme, avec ton mari, relation avec ta maman, avec ton papa, avec ton frère, avec tes soeurs. Mais moi dis à toi, il y a une solution ce matin. Cultive l'amour, élève l'amour ce matin. Ton problème solutionné. Tout peut débouter ce matin. L'eau, l'amour. À cause de Dieu, dans son amour, il dit, God is love. Et nous avons un livre ce matin. Ça livre la Bible qui te met la main là. C'est le livre de l'amour. Dieu est amour. Jean chapitre 3, verset 16. Ça n'a pas comme ça. Tout comme ça parmi nous là, c'est le peuple de Bethel, pas comme ça. Mais vous prenez un tirotin. Parce que Jean chapitre 3, verset 16, vous êtes bizarre comme ça pour cœur. Quand vous tiens l'école des enfants, vous mettez l'école des enfants, tu dis à moi, si vous pas comme ça, vous vous gagnez un coup trop de temps. Et vous apprenez les pour cœur. Quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croire en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. J'en viens à la vie éternelle. Est-ce qu'il en vient à la vie éternelle ce matin? Crois ça dans sa créateur-là. Crois dans ton Jésus-Christ ce matin. C'est lui, l'amour. C'est lui, l'amour, l'église. Mon peine à l'autre définition pour donne-toi. Mon peine à l'autre explication pour définir l'amour. Enzo, ma petite fille, appelle Twinkle. Il y a dans l'école des enfants, dans l'église, l'Angleterre, l'école des enfants, après l'église en même temps. Alors, il y a une autre salle, il y a là-bas. Il y a pour définir qui était l'amour, qui était Jésus. Il y a un explique Jésus, ici, qui est Jésus, ça, ça, ça. Il vient de la case, il dit à moi comme ça, Dad. Je dis, yeah. Il dit à moi, are you Jesus? Je dis, what's happened? Je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est arrivé? Tu te fais un mauvais rêve? Il dit, mais non, ben, de l'école des enfants, il dit à Jésus, il y a ça, il y a ça, mais me trouve-toi ça. Moi, je dis, allez, non. Maman, il y a dad. Est-ce que quand Dimoun guette toi, tu peux personnaliser? Est-ce que tu as un caractère de Jésus-Christ dans ta vie ce matin? Est-ce que tu as un reflet de l'amour de Dieu? Est-ce que tu peux manifester l'amour que tu as? Est-ce que tu peux dégager sa parfum d'amour dans toi? C'est pas une question qui m'occupe de te le cœur. Est-ce que tu es madame capable de dire à toi comme ça, chérie, mon amour? Est-ce que tu es madame ou ton mari capable de dire à toi ça? Ou soit comme mari là, et toi, ou comme femme là, et toi, dis ça, ne ferme pas trouver le grand matin. Si ça le cas, ce n'est pas une bonne affaire. Nous pouvons maintenant quelque chose de très important. Nous ne comprenons l'amour. Nous ne connaissons qu'était l'amour. L'amour, c'est quoi? Frère, tout ça, mon cousin, là. Frère, pasteur, mais vous avez boire de l'eau? Parce que la gosse, il fatigue, je ne sais pas qu'il connaît. C'est quoi l'amour? Oh là là. Simple. God is love. L'amour, c'est Dieu. Simple. Nous comprenons-le? Je tire dans Jean chapitre 15. Maintenant, nous bouquet quelque chose de l'amour. Nous ne pouvons pas aller loin. Nous bouquet la même bande d'affaires vivant, bande d'affaires courant qui nous tout connaît. L'amour, c'est plus grand commandement qui n'existait. Jean chapitre 15, verset 9. À 17. Nous pouvons y aller vite, vite. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. OK? Ce papa a une compte en nous. L'Éternel, désormais, le Dieu suprême, fait une compte en toi et moi. Je vous ai aussi aimé. Demeurez dans l'amour. C'est un commandement, mon frère, mon sœur. Ou content, ou pas content,
Le Créateur donne nous un commandement. Demeurez dans l'amour. Frère, moi, je ne suis pas capable de faire ça. Ou pas capable, ou peine à choix, ou besoin demeure dans l'amour. À partir d'aujourd'hui, faites vous-même un devoir pour vivre dans l'amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Simple. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je continue. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Quand on a l'amour de Dieu, donne-nous la vie. Ou la vie vient facile. Ou pas pour compliquer la vie. Ou la vie vient parfaite. Qui vous pensez assez? Un bon travail? Un bon petit madame? Un bon petit bonhomme? Vivre dans l'amour. Si l'homme là, par un écho, pousse au petit Rodrigue pour venir nous dans Maurice. Et une sorte de l'Angleterre, une vigne rôde. Dieu est merveilleux. Vive dans l'amour, l'Église. Contente aux frères. Contente aux sœurs. Fais sa vie de commandement, l'Imoroène. Demeure dans l'amour. Si tu demeures dans l'amour, te la vie vient tellement facile. Te la vie pas pour un stress. L'amour, lui fait-toi rire. Quand tu riais, stress pour carabiner? Non, stress pas pour une place dans la vie. L'amour. Quand nous disons l'amour, comment nous prononçons ça? L'amour. Non, nous disons l'amour. Mon amour. Quoi? Figuer la même sans et la joie qui vient au visage quand on dit ce mot-là. Allez, dis l'amour, un coup de moquette, comment vous dites ça? Encore une fois? Ah, qu'est-ce que ça sourit à l'os de figuier ce matin, pasteur? Allez, tapez la main pour vous-même. L'amour de Dieu, peine à fin ce matin, pasteur. C'est l'amour. L'amour premier nous dit, il y a un commandement. Un commandement, c'est quoi? C'est qui dit, ça même. Ou pas capable sans lui. Si le roi décrète quelque chose, il vient un commandement. La loi, c'est un commandement. Ou pas capable, la loi dit où? A plus A égale B, ou pas qu'à venir dire A plus A égale C. A plus A égale B. Parce que c'est un commandement. Alors, Dieu nous donne un commandement. Commandement limouraine, c'est quoi? L'amour. Vive dans l'amour. Est-ce qu'il nous prend l'engagement ce matin? Nous pouvons vivre dans l'amour. Qui s'en apprend l'engagement là? Lève sur la main. Pasteur, quitte la main là-haut là. Pasteur, ne vire check and cut. Je tourne dis à nous ce matin. Nous prenons l'engagement, nous pour vivre dans l'amour. Résiste un mois et demi pour l'année terminée. Nous prenons un mois et demi l'amour tous les jours dans nous la vie. Ou prenons les walou la case, ou prenons les walou travail, ou prenons les dans la famille, ou guettez sur la vie, pas sans et dans un mois et demi. Mais garantis où la paix, la joie, l'amour, la joie remplit la vie ce matin. L'amour, c'est chose plus puissante qui n'existait l'Église. Ben grand la guerre, il ne solutionnait pas parole. Parole, sans en la guerre. Un mari, une femme, la guerre, connaît ça, problème ça. Si Marie-là, elle n'écoute madame là, elle dit comme ça, mon amour, je t'aime. Problème fini, frère. Pasteur, parce qu'il y a beaucoup d'expérience là. Que vous dites, problème là, va résoudre là? Madame a dit, allez mon amour, me pardonne-toi. Donc c'est un truc là, hein? Un bonhomme, elle fait ça à la case là. Déjà, mes affaires, l'amour, c'est une alliance. À cause, ou comptons madame, ou comptons monsieur, ou prends-lui comme mari, ou prends-lui comme femme. L'amour, c'est une alliance. Et il y a plusieurs alliances qui n'établissent. Au cours de l'histoire, nous connaissons l'alliance. Par exemple, l'alliance adamique, noaïque, abrahamique, encore
et encore après une nouvelle alliance. Nous maintenant nous dans la nouvelle alliance. Plusieurs régnats, mais maintenant la Bible dit à nous dans Hébreux nous donne nouvelle alliance. La nouvelle alliance elle est basée sur quoi? L'amour. L'amour. L'amour, c'est une affaire qui n'est pas capable de rester avec ou leurs gens. Ou capable de faire un dimon nous payer un million contre vous. Pasteur, capable de faire ça? Un dimon qui n'est pas content ou lui. Ou aller ou donner un million roupé pour toi. Content-moi. Content-moi, s'il vous plaît. Ou qu'a dit ça? Anzoli Mamzel là. Il y a bien 2000. Il prend bien 2000, il vient, il dit que vous êtes content, lui? Anzoli Mamzel. Rends compte. On peut dire là, bien 2000, je connais que c'est ça. L'amour, pas capable d'acheter avec casse. À cause ça, Jésus, dans ce grand amour, lui montre la croix. Et lui donne-toi ça. Lui sauve-toi de ton péché, de ton maladie. Lui donne-toi ça gratuitement. Lui montre la croix volontairement. Personne pas une fausse lit. Son papa pas une fausse lit. Lui montre la croix volontairement. Parce qu'il est content toi, mon frère. Parce qu'il est content toi, mon soeur. Lui montre la croix à cause de l'amour de Dieu. À cause de l'amour rempli dans ce cœur. Lui montre ça la croix là. Quand il y a le ça la croix là, son papa abandonne-lui. Son papa vit et se visage. Son papa quitte-lui tout seul la croix. Lui faire face pécher l'humanité. Dans ses épaules, lui tout seul. Lui faire sa cause, l'amour dans ce cœur. Lui donne sur la vie pour toi et pour moi à cause de l'amour dans ce cœur. Ça l'amour là, pas capable de rester avec ou l'argent, avec ou l'eau, pas capable de rester. L'amour, pas capable de rester. L'amour, il y a une valeur inexprimable. L'amour fin payé pour en la vie. Corse au bon Dieu, sa valeur de l'amour. Bon Dieu de ce grand amour, il envoie ce garçon unique, pasteur, mon frère, mon sœur, ce garçon unique, paye sa dette là pour toi et pour moi. Ça prie l'amour. La vie. Quand on compte un kiken, on donne lui ou la vie. Ça prie l'amour. Est-ce qu'on donne nous la vie? Reconnais-moi pour frère ou pour sœur. Prie l'amour. C'est donne la vie à un jeune. Avant de dire au content qui ken, j'ai bien sûr qu'à donner lise ou la vie. Sinon, pas dire au content lit. L'amour, un autre mot vini. L'amour, c'est un choix. Ah. Oui, l'amour, il y a un choix. Dieu pas interfère dans ton choix. Laisse-toi libre pour prendre tes décisions. L'amour, mon frère, il y a un choix. Avant de mourir, pasteur, pour poser cette question-là, est-ce qu'il est d'accord? Il ne peut pas mettre une physique autour de la tête. Il vous dit, est-ce qu'il est d'accord pour prendre sa sœur-là comme une femme? Il ne pas dire ça, lui. Vous ferez, pasteur? Il laisse volonté. Il laisse libre. Est-ce qu'il est d'accord pour prendre Monsieur X ou Madame Y pour mari, pour femme? Il donne nous un choix. Et ainsi ce matin, l'amour, il y a un choix ce matin. Dieu est content de toi pour ce propre choix. Avant même de te connaître, il dit devant ta maman, il te connaît toi et il est content de toi. Quand tu es encore dans ton péché, mon frère, l'in compte en toi. L'in mot pour toi. Dans ce l'amour. L'in fait sa choix pour compte en toi et moi. Est-ce que toi, ce matin, qui persiste là, ou si tu live le Facebook, est-ce qu'il te fait un choix ce matin pour content le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées ce matin? Si tu fais ça ce matin,
me garantis-toi de délivrer ce matin de tout ton problème, de tout ton péché. Si tu acceptes ce Créateur Jésus-Christ là, te compte en lui de tout le cœur, de toute l'âme, de toutes tes pensées, de délivrer ce matin. Parce qu'il y a un Dieu d'amour. L'amour, c'est un kiken, c'est une affaire qui est capable de conquérir tous les cœurs. He is the great conqueror. Perfect love. L'amour, perfect love, il conquer tous les cœurs ce matin. Et dans l'amour, mon frère, peine à la peur. Quand l'amour fait conquer tous les cœurs, fait remplir tous les cœurs, fait remplir tes pensées, ton âme, ton esprit, ton émotion, tout l'être, fait remplir avec l'amour, la peur peine à se place dans toute la vie. Et tu penses que tu me dis un plus grand amen. La peur, l'Église, c'est une affaire, c'est un esprit qui paralyse beaucoup d'entre nous. Les gardes nous attachés dans plusieurs secteurs de nous la vie. La peur. C'est les affaires qui sont capables de délivrer ou de la peur. C'est l'amour. L'amour, c'est antidote de la peur. J'ai dit le monde peut perdre. Dans nous, Maurice, là. Beaucoup de monde peut perdre. Je te suis l'actualité. Je connais plus bien que moi. Quand l'esprit de la peur les faufiler, les rentrer, les récits rentrent dans la vie. Quand l'esprit de la peur rentre dans la vie, ou pour souffrir une affaire qui appelle résection. Ben, des gens qui pas rempli avec l'amour, automatiquement, la peur rentre dans la vie. Ou créer place pour la peur rentrer. Si la vie remplie avec l'amour, pas pour une place pour la peur demeure dans la vie. Mais quand la vie peine l'amour, la peur rentrée. Quand la peur rentrée, la peur est le gatekeeper. Oui. Je ne comprends. Quand nous venons, il y a un frère là-bas, il ouvre la porte là pour nous. Rentrez, mon frère. Bonjour, sœur. Un joli sourire là sur figure. Il invite tout pour rentrer. La peur aussi, il paraît. Rentrez. Qui est pour inviter? Il invite son petit camarade, son petit copain, son petit copine. Un seul copain, c'est l'esprit de résection. Où sens-tu résété dans la case? Où sens-tu famille pas content? Où mari pas content? Où femme pas content? Où enfants pas content? Où l'église pas content? Où pasteur pas content? Où famille pas content? Où pays pas content? Où personne pas content? Parce qu'il fait la peur, il rentre dans la vie. Premier camarade qu'il a amené, ce petit copain, c'est quoi? Résection. Est-ce que vous sentiez résecté ce matin? Moi, j'ai l'antidote. Moi, j'ai ce médicament ce matin. L'amour. L'amour ce matin. Remplis-toi les cœurs. L'esprit résection. Pas prendre la place dans toute la vie. Deuxième copain qui est là. Deuxième camarade qui l'a amené. L'amertume. Te sens-tu blessé? Moi, le cœur blessé, frère. Quand dis-je peut couler? Je fais livrer une joke. Parce qu'un jour, pasteur Blackburn, tu peux faire rayon, Riviano, écoute-moi. Tu peux faire rayon dans la tente, pasteur Devine connaît à l'époque-là, moi, tu es un petit bébé. Dans les seigneurs. Il dit, guette ça, montagne, Riviano, là. Mon cours appelle ça bien. Il dit, comme ça, quand ça montagne-là prend du fait, montagne, Riviano prend du fait. Tout le monde trouvait, pasteur. Mais quand le cœur peut prendre du fait, peine à personne peut trouver. Où est bon Dieu qui connaît? Moi, pas connaît, pasteur, pas connaît. Où, ou connexion à connaître encore, ou l'auguer. Parce que l'homme l'a coulé automatique. Quand le cœur a une blessée, quand le cœur a un coup de flèche, un coup de poignarde, c'est juste le Seigneur qui connaît. Mais ça, on connaît quand même ça? Qu'on peut vivre dans la peur. La peur, elle amène ce petit copain. Blessure.
ou le cœur blessé, ou l'âme blessée, ou l'émotion blessée. Mais ce matin, je viens pour dire à toi, invite l'amour de tout le cœur, ton gain délivrance, de tout ban rejet, de tout ban le cœur blessé ce matin. Si tu peux faire face, qui la peur, qui secteur dans toute la vie. Et dans les pères, frère, pendant les fêles, les pères, fêlures, mon papa cause l'examen, non? Les pères pangol n'est pas réussi dans ce la vie. Les pères pangol n'est pas réussi dans ce mariage. Les pères pangol n'est pas réussi dans ce business. Les pères pangol n'est pas réussi avec ce bon enfant. Les pères pangol n'est pas réussi dans ce relation. Les pères, les pères, les pères. Mais ce matin, je viens pour dire toi, invite l'amour de tous les cœurs. Ça la peur là pour dissiper ce matin. Et non, les pères pour prendre responsabilité, pasteur. Et non, père pour rester tout seul. Et n'a peur, ça dans Maurice nous connaît ça. Qui dit moun pour penser de haut? Qui dit moun pour dire, le ou moi? Ça va un petit copain, la peur. Comment moi pour faire ça? Qui dit moun pour dire? Qui dit moun pour penser? Si vous continuez à vivre la vie, qui dit moun pour dire? Qui dit moun pour penser? Ou pour est-ce que tu étais? Arrête, pense, qui dit moun pour dire? Qui dit monde pour penser, tiens-le, mets de côté, remplis-toi avec l'amour, bouge dans toute la vie. La vie qui attend toi. Amen. La peur n'est pas pour toi. Et une dernière affaire qui nous tout connaît, la peur est un démon. Nous chrétiens, démon que ça pasteur, que ça pasteur, Jésus, Jésus, Jésus. Démon en bas, te li pied, te pena pour PLI. Gagnez à faire ça. Te pas PLI. Parce que c'est lui qui est en toi, les plus faux et les plus puissants, les plus nombreux que celui qui est contre toi. Les seigneurs, les contre toi. Quand tu as quelqu'un qui remplit avec l'amour, quand des démons guettent comme ça, des démons galoupés. Te pas besoin de poser la main. Quelqu'un l'a délivré parce qu'il te remplit avec l'amour. Amen. Et sixième maintenant, l'amour, il y a un champion, pasteur. Si tu remplis avec l'amour, tu es un champion. Combien de champions moi y a dans la salle ce matin? Lève sur la main. Qui s'en a champion ici là? Lève sur la main. Ah, mon père trouve, mon Dieu détruit la main en bas là. Est-ce qu'ils nous vivent de l'amour? Oui, moi, un champion ce matin. Clame le Seigneur, parce qu'il s'est battu champion qu'il a ce matin. Quand nous vivons dans l'amour, jamais ou pour faillir. Un champion, jamais l'y fait. Un champion tout le temps, et une mentalité de gagnant dans la tête. Combat-là, dire, comment le dire, un champion pour gagner ce combat-là. Avant même, les gains combat dans sa tête, dans sa pensée, sa mentalité, il y conquérir ça la guerre là. C'est comme ça ou gagner. David face à Goliath. Si David, gros Goliath, mais dans sa tête, son mind, il finit cette Goliath. Si tu as ça dans ta mentalité ce matin, ton problème, tombé, comment les tout toi venir? Ah, tu n'as pas quoi là-dedans. Avant même, tu prier, tu mets toi debout. Si tu es quelqu'un qui vit dans l'amour, tu es un champion de la foi, tu n'as pas un droit faire qui situation vient devant toi. Parce que toi, un victorieux. La Bible déclare-moi un peuple victorieux. C'est ça qui tu étais. Me donne-toi cinq caractéristiques d'un quelqu'un qui est un champion. Est-ce que tu as besoin de lire? Tu peux noter lire? Champion, première affaire qu'il y a dans la vie, il y a quelqu'un qui a courage. Qui est courage, frère? Courage, ça veut dire un quelqu'un qui a patience. Un quelqu'un qui a endurance. Un quelqu'un qui a passion. Ça détermine courage. Courage et compassion. Amen. Je connais que c'est un quelqu'un de compassion. Jésus.
C'est le même modèle. Mon Dieu, besoin de courage pour traverser cette semaine-là. Pour aller sur la croix-là, pour monter à Golgotha, besoin de courage. Si tu es le peuple de Dieu ce matin, si Jésus-Christ est ton frère, tu es ici, tu es là, courage ce matin. Pour faire face à l'adversaire, pour faire face à ta situation, pour faire face à ton problème qui te menace ce matin. Courage, mon frère. Courage, mon cher. Tu es capable. Tu es capable de sortir comme tu étais. Tu es capable de faire face à ta situation. Tu es capable parce que tu es un champion ce matin. Un champion, une frère, pour dominer quand tu y allais. Un champion, une frère, pour faire les autres pères. Tu n'es pas père à toi. Amen. C'est ça, un champion. Un champion, c'est lui qui a persévérance. Alléluia, mon patron, ça n'a pas de un quelqu'un qui persévère jusqu'au bout. When they're going tough, tough people, tough men, keep going. Vous comprenez comment dire là? Tiens, quand la situation là vient difficile, ben Jimoun qui est rempli avec puissance de cette la vie, rempli avec bonne connaissance, je peux continuer à bouger, je peux avancer. Je peux dire, problème vini, mon papa est à toi. Moi, invite-toi, problème vini, là, mon chemin. Parce que problème, pour moi, je n'ai pas du vent, avec je n'ai pas la voile, un bateau. Un bateau, la voile, un gros bateau longtemps. Tiens, un bateau, belle, belle, la voile, un ship, là, hein, un gros, gros bateau navire. Ce bateau-là, bizin, du vent. Et pas n'importe qui du vent, les bizins. Les bizins du vent, contraire. Ban divan contraire qui pour bouger sa bateau là pour amener dans sa destination. Et ce matin, toi quand tu as un problème, tu baisses les bras. Comment tu as un problème? Tu peux divorcer. Comment tu as un problème au mari là? Tu peux divorcer toi. Comment tu as un problème aux femmes? Sa femme te demande, Seigneur. Comment tu as un problème avec tes enfants? Bon Dieu, écoute. M'arrête là-même. On parle un petit peu. Parce que je suis content de ce matin. Vous êtes content de moi? Vrai, vrai. Amen. Dieu est bon. Deuxième affaire, c'est quoi, mon Dieu là? Un champion est là, premier. Courage, compassion. Deuxième affaire, persévérance. Troisième affaire, lui croire dans lui-même. Est-ce que toi, tu crois dans toi? Vrai? Tiens, tu crois dans toi ce matin? Beaucoup d'entre eux, beaucoup me connaissent. Il y a des affaires pour faire là. Les pour téléphoner sur camarade. Les pour téléphoner sans timoun. Après, les pour prendre une décision. Mon frère, mon cher, mais tu pas crois de toi-même? Believe in yourself. Malgré que personne ne croit dans toi, frère. Pasteur, crois dans toi premièrement. Personne ne croit dans moi. Personne ne croit dans moi. Parce que je te connais, comme mon petit. Je tiens quelqu'un qui me prend de l'hôpital, l'âge de 1 an, 2 ans. Le docteur me prend moi et me dans le coin, puis attend la mort vini. Mon maman, fight pour moi. La guerre pour moi, dit le docteur, non. Le docteur dit, prends à la case, puis attend la mort. Mon maman dit non, God lit dans l'hôpital. Mon maman, 4h du matin, vient à l'hôpital, laguer à prier pour moi. Ils ont dit, mon lame, je vais debout devant eux. Mon maman, tu crois dans moi. Je pourrais vivre. Est-ce que toi, tu peux croire dans toi? Crois dans toi. Un combattant, un champion, lui fait un sacrifice ce matin. Toi, tu n'as pas de faire sacrifice. Un champion lui fait un sacrifice. Est-ce qu'il te peut faire un sacrifice? Des fois, ton maman peut faire un sacrifice. Il peut prendre un bout de pain, il peut donner toi. Il peut couper ça à la moitié pour donner sur les enfants. Toi, ton vie mange tout. Madame, on donne lui ou la paye. Lili connaît comment on peut amener ça la paye là. Ou on peut dire, hey, ça me te bout de bouillon bret te bout de moi là. Quand la viande là, il connaît comment il amène son ration, il connaît comment il fait sacrifice pour rouler ce petit ration, pour couper ce petit roupie en quatre, il connaît comment il amène ça à la case là, au mari, quand la viande là était. Mais travaille un peu, on va t'amener à la case,
sacrifice l'important. Pour être un champion, ou besoin vivre dans la vie de sacrifice. Ou besoin tiens le temps, passe dans la parole de Dieu. Tiens le temps pour étudier. Tiens le temps pour faire quelque chose. Mon maman dit, moi, des femmes, on a dit, je pas payer le temps pour venir tout. Mais tiens le temps. Vous dites, je vais faire X, Y, Zafir, je vais faire ça, je vais pas gagner le temps. Mais vous besoin tiens le temps. Maman, là, des fois, pas facile, mais nous comprenons. Nous, c'est pareil. Vous ne pas connaître, on a 24 heures dans une journée. Mais faire les 25. Pas dormi. Tiens le temps. Sacrifier. Travaille au même. Sacrifier où? Pour vivre meilleur. Quand vous vivez meilleur, aux enfants vivent meilleur. Quand aux enfants vivent meilleur, nos sociétés qui nous peuvent vivre vivent meilleur. Ou responsables si nos sociétés comme ça aujourd'hui. Oui, nous responsables. Nous sociétés malades. Et nous tous responsables. Pas le blâme, nous, bonnes jeunes. Tu prends un rotin ou tu ronfles les lits. Prends la colle ou tasse les lits, ronfles les lits. Et bien, tu pouvais ce qui est aujourd'hui. Ou responsables. Et l'autre caractéristique d'un champion, un quelqu'un qui vit dans intégrité et respect. Ah, ça ne veut pas dire. Intégrité, c'est quoi? Un quelqu'un intègre. Un quelqu'un qui vit dans discipline. Un quelqu'un qui vit dans principe. Lit pas pour les personnes. Une affaire, c'est qu'il m'a content, mais pas pour les personnes. Bouge mon principe dans la vie. Si vous venez, vous bougez mon principe, ou pour gagner un problème avec moi. Ou un quelqu'un qui intègre. Il peut vivre dans principe et discipline. Il n'est pas pour les personnes bouses, bonnes de cela vie. Amen. Un champion, il comprend qui était intégrité et il vit dans respect. Respect nous pas gagner comme ça même. On a dit, oui, un respect. Ou faire du monde respect où? Tu as envie du monde respect où? Ou faire du monde respect où? Amen. Si on a envie de dire mon respect, the two, les premières affaires, numéro un, est-ce qu'il y a où respect du monde? Si vous respect du monde, ou qu'on respect du monde pour respect où? Amen. Un champion les comprend, un la vie intègre et un la vie de respect. Amen. Et ça, cinq caractéristiques d'un champion. Mon Dieu, je ne comprends. Et un quelqu'un qui vit dans l'amour, lien champion. Quand rempli avec l'amour, ou pour respect, ou camarade. Respect, c'est quoi? Ou content, ou camarade. Ou défend sur l'intérêt, parce qu'il vous respecte lui. Ou pour cause du bien, devant lui, et en plus, derrière lui. Quand il n'est pas là, ou pour défendre sur l'intérêt. Ou pas pour piquer une poignarde derrière sur les deux quand il n'est pas là. Ou pour défendre sur l'intérêt. C'est ça, respect. Et septième, l'amour. L'amour, c'est currency of heaven. C'est quoi currency? L'argent courant. Ou cause l'amour. L'amour, c'est l'engage du ciel. L'amour, c'est quoi? Jésus montre la croix comme si sa crown jewel. L'amour de Dieu. Amen. La Bible dit à nous dans Éphésiens, chapitre 5. Ok, je t'ai lié la case. Matthieu, chapitre 22. On lit là, passe trop vite, parce qu'on arrête un petit peu. Matthieu, chapitre 22, verset 37. Le content bon Dieu de toutes les cœurs. Vous connaissez ça? Okay. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Corinthiens, chapitre 3. 1 Corinthiens 13, 4, il vous dit à nous, l'amour, c'est quoi? Les patients. Hein? Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne sent point d'orgueil. Alors, quand on remplit avec l'amour dans la vie, ou pas pour faire du mal au prochain,
Ou pas pour une place pour jalousie dans le cœur. Pas pour une ça va nous faire là. Et Ephésiens chapitre 5, verset 1er, qu'est-ce qu'il dit? Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Ban imitateur. Vin ban imitateur de Dieu. Dieu c'est qui, mon Dieu, t'allais là? Dieu c'est l'amour. Je veux dire, imite le papa qui remplit avec l'amour. Est-ce qu'il nous vient un agent l'amour? Le salaté là. Est-ce que quand nous pouvons lever le matin, au premier dimanche qu'il trouvait le Lilix, ça n'a? Voisin? Ça n'a où trouvé? Si vous êtes mari ou vous mari? Si vous êtes voisin ou mari ou voisin? Pas content, je me fais un petit joke avec vous. Amen, amen. Amen. Premier dimanche qui nous capable de trouver, nous démontrer l'amour. Si vous trouvez vos mari, si vous trouvez vos femmes, si vous trouvez vos enfants, si vous restez tout seul, si vous trouvez vos voisins, me contente-toi avec l'amour du Seigneur. Imitateur de l'amour. Imite ton bon Dieu ce matin. Imite-lui. Jésus sur l'amour. Ephésiens chapitre 3, verset 17. Je t'ai la case, je t'ai mon lait infini. Jésus, il dit comme ça, sur l'amour, il surpasse toute bonne connaissance qui est capable d'exister l'eau sur la terre là. Sur l'amour, dépasse toute bonne connaissance humaine. Pas capable d'expliquer, c'est l'amour de Jésus-Christ là. Pas capable. Sur l'amour, nous ne gagnons ça, nous pas t'y mériter. Lui donne-nous l'amour de Dieu, nous pas t'y mériter. Lui donne-nous ça l'amour là, nous pas t'y mériter. Sur l'amour, peine à limite. Sur l'amour, il est illimité. Sur l'amour, il n'est pas guet pour lui. Sur l'amour, il est guet pour moi et pour toi. À cause de ça, il monte la croix. Sur l'amour, jamais fini. Et sur l'amour, jamais faillir pour toi, mon frère et mon cher. Et si je te connais, l'amour est un langage. Qui est ce langage? Il est aux anglais, il est aux français. Qui langage d'amour? Ça n'a qu'à dire moi. Je vais finir ça là. Il y en a 5 langages d'amour. Vous dites ça aux madames? Vous pratiquez ça avec vos madames, avec vos maris, avec vos bons enfants? Ou la vie changée? Ça, 5 langages à ça. Il y a dégagé, frère, pendant les temps là. Premier, c'est cadeau. Pour l'anniversaire, on donne cadeau. Moyage, on donne cadeau. Deuxième, c'est tout le temps, nous devons disposer pour les uns et pour les autres, dans le service. Et troisième, nous devons être capables de dire un mot doux à nos frères, à nos pasteurs, à nos frères, à nos sœurs. Et quatrième, nous devons être capables de donner le temps pour quelqu'un qui nous content. Est-ce que nous donnons le temps pour quelqu'un qui nous content? Et dernier, des fois, les bons. Et ta, maïs enfants, et ta coco, me content toi. Ma bonne femme, merci. Et ma bonhomme là ici, des fois, il est important. Et touch, il est important. Et moi qui te salue de tes cœurs, manifester ces 5 langages d'amour là, tous les jours dans notre vie, afin que nous la vie vienne la vie des victoires et des victoires qui sont non les glorifiés dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit. Mon compte en Dieu et à vous, pasteur. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Ceux qui pisent la prière, mais je te la mets, je te l'écoute, la cause de t'été, et même ceux qui regardent nos lives, qui sont malades, qui ont besoin de la prière, ensemble, nous allons prier. Seigneur mon Dieu, merci pour chaque bien-aimé qui l'a, Seigneur, tu es toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout l'honneur, toute la gloire, les pour toi, Seigneur. Et tant te la main, le sac bien-aimé, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, ceux qui sont malades, ceux qui n'ont douleur, alléluia. Ceux qui périgodent nous live, qui sont malades, Seigneur, tous ceux, Seigneur, au nom de Jésus, nous les prions, toi, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, relâche de la gloire, de puissance et de l'onction, l'eau de la vie, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Amen.